officier. Qui est là? Aidez-nous, hein. Doucement. S'il te plaît, vas-y, ça va aller. Doucement. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Venez nous aider, oh. Aidez-nous, s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller, hein. Aidez-nous, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, elle a eu un accident. Et le chauffeur s'est enfui. Je l'avais dit. Je le savais. Oh, mon Dieu. Pourquoi lorsqu'on a une chose de valeur dans cette maison, tu n'es toujours pas contente? Madame, toutes ces choses que vous dites en ce moment n'est pas important. Nous l'avons ramené ici afin que vous puissiez l'emmener à l'hôpital. Ok, ok. Si c'est pas important pour vous, c'est important pour moi. Mais pourquoi dites-vous ça, non? C'est que je vous dis là est très important. C'est très important, je vous dis. Mais dis-moi, n'est-elle pas ta sœur celle-là? C'est ma sœur. Qui est ta sœur? Mais madame, qu'est-ce qui se passe ici? Papa. Qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, elle a eu un accident. Quoi? Un accident? Mais le chauffeur s'est enfui. Ok, ok. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait? Okay. Oh, Seigneur. Doucement. Mais, on tout doucement, monsieur. Venez, venez m'aider. On viens, à l'hôpital. Viens m'aider. Mais je t'appelle, viens ici, non? Monsieur, ne vois-tu pas ta soeur? Dupuchon. La situation est très délicate. Doucement. Viens m'aider, non? Mais tu es comment? Je te fais appel, non? Doucement. Mais venez m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Essaye au moins de m'aider, s'il te plaît. Venez m'aider, s'il vous plaît. Ça va aller. Elle est mon Seigneur. Vas-y, félicitations. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons vite. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. C'est comme ça. Tu ne vas pas changer. Nous sommes déjà habitués. Tu veux seulement qu'on dépense l'argent. Je t'avais dit. Tu vois, je t'avais déjà dit. Ton visa là, tu ne l'auras même pas. À cause de cette fille. Elle a encore trouvé une rubrique pour faire sortir l'argent. Paul, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel acte de méchanceté. Ah non, j'ai jamais vu. Sérieux, mon cher, elle a été maltraitée comme si elle était ramenée tout droit de la forêt. Je n'arrive toujours pas d'imaginer ce qui s'est passé dans la maison de M. Tudoké aujourd'hui. Comment? Pourquoi est-ce qu'il la traite aussi méchamment, hein? C'est vraiment de trop. Que Dieu nous épargne. Et Boubé, depuis très longtemps, je me suis toujours méfié de ces gens. Que Dieu nous épargne du pire. Je n'avais jamais cru que cela était aussi vrai. Aujourd'hui, j'en ai été témoin. Non mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils la haïssent tous jusqu'à ce point? Mec, je ne comprends vraiment rien. David, es-tu absolument sûr, mon gars, que ces gens sont les membres de sa famille? C'est la même question que je n'arrête pas de me poser à moi-même. À chaque instant que je le vois agir ainsi, c'est... Mais tous les gens de ce village n'arrêtent pas de dire que... Elle est bel et bien leur sœur biologique ainsi que leur fille. Donc, je ne comprends vraiment rien. Je te dis. Ça, c'était de la pure méchanceté. C'est ça. Leur maltraitement est de trop sur elle. Ils traitent cette fille, on dirait une paria. Une ordure. Ha! J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ils la traitent vraiment comme une paria. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut traiter sa sœur biologique de la sorte. Je ne comprends sincèrement plus où va le monde. Il n'y a que son père qui... Mais comment tu peux être si méchante envers ta fille biologique? Tu l'as sacrifiée de la même manière que moi si j'avais sacrifié une autre. Comment tu peux? N'hésite pas, mon amour. J'ai arrêté de l'appeler ma fille depuis le jour où j'ai découvert qui elle était. En tout cas, tu t'aventuries. Ta propre fille biologique a eu un accident depuis le matin. Depuis le matin, hein? Et tu ne t'en occupes pas. Voir te charger de venir ici et trouver une solution. Solution quoi? Trouveur de solution. Quelle solution que tu veux que je lui donne? Suis-je son docteur? Hein? Quand est-ce que je suis allé faire le test de santé pour donner la solution à un pied fracturé? Ça, ce n'est pas mon problème. Hein? Cette solution dont tu parles, je crois que ce n'est pas un moyen pour toi de me demander de l'argent pour son traitement. Tu crois, Joe? Je ne sortirai aucun de mes billets, même pas un franc, pour les traitements de cette fille. Hein? Ah, parce que ce problème-là ne me concerne pas, oh. Et j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense, oh. Je crois que ce n'est pas l'argent de ces terrains vendus que tu veux utiliser, oh. C'est l'argent pour le voyage de mon fils, oh. Hey! N'ose pas mettre ta main dessus, oh. N'ose même pas les toucher si tu n'as pas d'argent pour traiter ta maudite fille.
Laisse-la mourir, oh. Oh, ne cherche pas de problème. Comment tu peux rester accroché à elle pendant que sa communauté d'origine les réclame? Tu n'as qu'à la laisser habiter dans la forêt interdite. C'est une paria. Il ose venir me demander quelle solution que tu as. Comme qui? Son docteur, non? Depuis quand je suis devenu un corps médical? Laisse-la mourir et rejoindre sa famille. Comment une situation comme ceci peut être une présomption? Comment est-ce possible? Ça, c'est notre numéro. Pendant que moi, je suis à la cuisine. Imaginaire, en train de jouer. Je suis désolée, maman. Je n'arrive pas à marcher convenablement. C'est pour cette raison que je m'amusais un peu pour faire passer l'air. Tchaï, Ovolobina. Il n'y a pas de nourriture pour des paresseux. Pas de nourriture pour des paresseux. Si tu ne travailles pas, dans cette maison, tu ne mangeras pas. Le mieux pour toi serait de t'acquitter de toutes tes tâches ménagères. Sinon, il n'y aura rien pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, maman. Avec de gros mots français pour justifier ta paresse. Regarde-la. N'importe quoi. Uchechi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a quelqu'un qui t'a frappé? Pourquoi tu pleures? Hey, je ne veux pas entendre mon nom ni le nom de mes enfants sortir dans ta sale bouche. Hein? Femme, retire tes paroles. Ma fille ne l'est pas. J'étais déjà interdit de m'identifier dans la vie de cette chose. Elle est ta fille. Elle n'est pas notre fille. Ah, Okeji, notre fille n'est pas ce que tu crois. Bien. Biko. Ah. Écoute, tu sais que je suis accro à la WWE. Je ne veux pas que les choses se tournent dans une situation où les gens diront que je ne respecte pas mon mari. Sinon, je dirais tout simplement que ta tête ne tourne plus. Si je ne te respectais pas, je dirais que tu es un fou. À cause de ces bêtises que tu viens de balancer.
Je n'aime pas ça. Hey, je n'aime pas ça. Paria. Arrête avec ces bêtises. J'en ai assez. Laissez-moi tranquille. Oh. Regarde, calme-toi. Ça va passer, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Ah oui, doucement, doucement. Calme-toi. Ça fait très mal. Mon Dieu. Bébé, tu dois vraiment contrôler ta colère. C'est très énorme. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'énorme là avec ma colère? Je te pose une question, qu'est-ce qu'il y a de si grave avec ma colère? Tu ne fais que me frustrer tout le temps et tu me dis de ne pas agir. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Tu sais ce que cette fille m'a fait? Tu sais ce que cet homme qui s'appelle mon père a eu à me faire dans ma vie, hein? Et comment tu veux que je me calme? Ces gens dont tu parles sont ta famille. S'il te plaît. Bébé, c'est ta famille. Ton père et ta sœur. Alors qu'est-ce que tu ne peux pas oublier? D'après tout, la vie de ta sœur est très importante que ton... Dis-moi, est-ce que tu peux juste te taire? Non, la vie de ma sœur est plus importante que quoi? Non, dis-moi, la vie de ma sœur est plus importante que quoi? Finis ta phrase là. Va jusqu'à la fin. Que la vie de ma sœur, une barrière, est plus importante que poursuivre mon avenir? Une barrière. C'est ce que tu veux dire? C'est de ça que tu parles? Non, explique-moi un peu bien. La vie de cette barrière est plus importante que notre futur. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est vraiment ce que tu me dis. Notre futur. Hein? Hein? Je sais pas pourquoi est-ce que tu l'appelles une barrière. C'est une barrière. Elle est une barrière. Une très grande barrière comme ça. Une très grosse barrière. Comment appelle-t-on la personne qui empêche les succès d'une autre personne? Une barrière. Il faut l'appeler par son nom. Il faut l'appeler par son nom. Ma soeur, mon père sont tous des barrières, tous les deux. Ce mec, tu ne me parles plus jamais de ça. Le plus tôt tu arrêteras de parler de ça, le mieux ce sera. Autrement, nous aurons des problèmes. Est-ce que j'ai été assez clair? S'il te plaît, une barrière est une barrière. C'est comme ça, oui. C'est bon. C'est très délicieux. Quel régal. Tiens, tiens. Tu es toujours comme ça, toi. Tu nous regardes aussi, tu n'as même pas honte, toi, hein? Mon boucher fait tomber. Jusqu'à ce que tu vas changer. Tant que tu continueras à faire tes bêtises dans cette maison, tu vivras la même chose. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Mon Dieu, quel repas! Bébé. Attends, s'il te plaît. Allez, bébé. Pas jusqu'à ce point, hein? Pourquoi tu m'as quitté comme ça? En parler encore. Hein? C'est vraiment pour ça que tu devais partir comme ça. J'avais juste...
dit que j'allais faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça que tu devais me quitter comme ça, chérie. Désolé, chérie. Ok, je t'ai entendu. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Je ferai quelque chose pour ça. Désolé, désolé. Gigi est ta sœur. Elle n'est pas ton esclave. Je sais pas pourquoi toi, ta mère Ngozi la déteste énormément. C'est pas juste. C'est... Ok, ok, d'accord. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai... Comme je viens de dire, je ferai la paix avec elle. Pour que tu sois heureuse. N'es-tu pas contente? Souris. Désolé. Je suis désolé. C'est... Écoute. Je ferai ce qui est bon pour toi. Tout ce qui peut te rendre heureuse. Je ferai la paix avec ma sœur. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh. Ok. Papa, bienvenue. Merci, ma fille. Uche, comment ça va? Je vais bien, papa. Bienvenue. Merci, ma fille. Tu vas bien? Tu n'es pas du tout heureuse. Qu'est-ce qui doit être le problème? Uchechi. Je vais bien, papa. Mon mari, bienvenue. Sois le bienvenu, mon mari. J'ai pensé qu'on allait plus se saluer, mais c'est bon. Hein? J'espère qu'il y a la nourriture dans cette maison, parce que là, j'ai très faim. Ngozi, prends la nourriture de ton père. Ok, maman. Uchechi, tu as mangé? Oui, papa. Et tu vas bien? Oui. Il n'y a pas de problème. Kechi, comment ta journée? C'était bien, grâce à Dieu. Je vois. Et la tienne? Non, ça va. Je te vois juste en train de nettoyer tes dents. J'ai profité de ma nourriture. C'était très bon. Tu vas beaucoup. Raison pour laquelle tu es heureuse en train de te faire du plaisir. Papa, ta nourriture merci, est là. Merci, ma chérie. Comment s'est passée la journée, papa? Ah, ça a été. Ma journée s'est bien passée, ma fille. Et ça a été. Prends-moi de l'eau pour laver mes mains. Désolée. J'avais oublié. Oh, Tchéché, est-ce que tu as mangé? J'espère que tu lui as déjà demandé. Hein? Ok. Bon appétit. Mais tout ça, c'est vraiment quoi? Après tout ce que j'ai eu à dire à mon père de vendre une partie de sa terre pour me garder un peu d'argent pour mon voyage. Seulement quand il l'a vendu, cette fille, cette sorcière des barrières, s'est allée se faire casser la jambe. Et maintenant, papa dépense son argent pour son traitement. Mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment?
grand frère. Grand frère. Laisse-moi tranquille. Grand frère, s'il te plaît. Je t'en prie, grand frère. Pardonne-moi. Si je te fais du mal d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Te pardonner? Regarde un peu tes larmes de crocodile. Comme si tu ne savais pas ce que tu as fait. Une barrière. Tu oses venir ici? Après tout ce que tu m'as fait. Tu es méchante. S'il te plaît, grand frère. Tu es une barrière. Un obstacle pour mon succès. Tu es une sorcière. Tu es, en fait, tout ce qui est de négatif. En fait, tu tourmentes ma vie et tu viens me parler du pardon? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère. Je t'en prie. Ah. S'il te plaît. Je vais sentir l'amour fraternel. J'ai besoin de l'amour de mon frère. Est-ce que tu vas juste te taire ou tu veux que je ferme ta bouche moi-même, hein? Qui est ton frère? C'est quoi ça? Non, dis-moi, es-tu folle? Je ressemble à ton frère? Qui est ton frère? Moi? Tu penses que tout ça me concerne? Est-ce que je ressemble vraiment à quelqu'un qui est content de te voir? Si je te regarde encore, c'est à cause de papa et maman. Sinon, si c'était pour moi, je t'aurais déjà étranglé. Tu me trouves assis seul, en train de réfléchir à ma vie, et tu viens me déranger avec ta jambe cassée. Arrête de me déranger. Je ferme mes yeux. Écoute, avant que je n'ouvre mes yeux, pars d'ici. Grand frère, s'il te plaît. Je t'en prie, accepte-moi comme ta sœur. S'il te plaît, essaie un peu de bien regarder cet homme-là. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème avec toi? Est-ce que j'ai l'air de ne pas faire la paix avec toi? Va-t'en quand tu peux encore. Pitié, grand frère. Je t'en prie. S'il te plaît, mon Tu commences frère. À m'étonter. Pour ton propre bien, si tu veux vraiment rester en vie, alors va-t'en d'ici maintenant. Pitié. Disparis avant que je n'arrive à trois. S'il te plaît. Un. Deux. Va-t'en. Une sorcière. Va-t'en. Va-t'en, oui, va-t'en. Sorcière. Une barrière. Obstacle. Femme méchante. Ennemi. Démon. Sorcière. Une grande sorcière. Une grande sorcière. Une grande sorcière. Regarde un peu. Regarde. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe. Tu peux tomber ou mourir. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe. Tombe. Tombe et meurs. Tombe. 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 Tombe et meurs. Sorcière. Une grande sorcière. 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 Barrière. Obstacle. Rosie. Maman. Si je n'étais pas venue t'apporter de l'aide, tu allais juste les jeter dans ces bols. Maman, ce n'est pas ce que tu penses là-haut. Il faut toujours bien les arranger. De sorte que ça attire les regards. Tu peux les toujours arranger. Et ça. Ça a l'air. Donnera. Mais maman, j'ai essayé, non, n'est-ce pas? Tu ne les classes pas comme il faut. Il faut toujours avoir le tactile du marché. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Quand tout est bien classé, bien arrangé, les gens chercheront à savoir ce que tu les rapportes. C'est comme ça que tu as tout repris à zéro. Regarde. Le fait juste de classer t'apporterait toute la différence. Ne le sais-tu pas? Hey! Ça faut le mettre de ce côté. Bien, bien! Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est infirme. Tu dois faire attention à la manière dont tu marches. N'importe quoi, je ne veux pas entendre des histoires, oh. Papa! Maman, s'il te plaît! Attends. Donne ça. Papa! Maman, s'il te plaît!
plaît. Je t'en prie, pardonne-moi. Grand-sœur, pardonne-moi. Si je fais du mal à cette famille d'une manière ou d'une autre, veuillez me pardonner. Quelqu'un est-il en train de parler? C'est la barrière. C'est la barrière qui parle. Je ne comprends pas vraiment dans cette maison. Hey, il dit la catastrophe. Bien, c'est comme ça que tu n'as plus aucun respect pour moi. Tu oses venir à ma présence pour vomir ces bêtises. C'est certain que tu commences à les perdre. Maman, pardonne-moi. Maman, je... Hey! Hey! Qui est Negoma? N'importe quoi. Peux-tu fermer ta sale gueule? Tu es aussi en train de dire à ma propre mère qu'elle est ta mère. Es-tu malade? Ta tête ne tourne pas bien. Si je t'entends encore dire cette chose, que ma mère, ma propre mère, est aussi la tienne, je te dis, hein, je vais te faire du mal. Franchement, je t'avertis, hein, fais gaffe. Fais gaffe, je te dis. Si je t'entends encore dire cette bêtise, hein, n'a pas honte. Franchement, tu es folle. Maman. Maman, s'il te plaît. Je suis prête. Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Si cela fera en sorte que vous puissiez me pardonner. Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Tu es prête à recevoir n'importe quelle punition? Oui. N'importe quelle punition? C'est toi qui l'ai dit. Tu sais que je suis une membre fervente de l'Assemblée des femmes chrétiennes. Tu sais que je ne crois pas à tout ce qui a trait à l'adulté. Vraiment. Je ne crois pas du tout à ça. Genre, si quelqu'un fait quelque chose de mal, tu veux le punir selon cet acte commis. Hein? Je vais te donner juste quelque chose qui va t'aider à te redresser. Hein? Ça ne sera pas aussi grave. Un petit travail à faire. Je vais juste te donner 20 pièces de ces histoires. Pour que maman, tu la berces beaucoup. Sois un peu gentil, juste comme un membre de femme chrétienne. Maman, s'il te plaît. Je ne saurais pas faire ça. Maman, regarde mon état. Juste prends le temps d'y regarder mon état. Comment est-ce que je saurais faire ça? Cette fille n'est pas sérieuse. Bien, j'ai cru que tu t'es sérieux dans ce que tu disais. Ah ah! Si tu ne sauras pas le faire, mais quitte ici, non? Dégage de ma vue maintenant. Écoute, ne me rappelle pas ce que j'ai oublié, oh. C'est pour toi que je suis dans ce village. M'as-tu entendu? Si tu ne sauras pas le faire, allez, dégage d'ici. Ah ah! Ok, c'est bon, je peux le faire. Je vais le faire. Maintenant, tu comprends. Ne nous prends pas pour de méchantes. Donne-lui un encouragement. Awa, saute. 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 Awa, saute. Oh, n'abîme pas mes affaires. Biko, j'ai pris beaucoup de temps pour les apprêter. Hein? Cette fille exagère de fond, hein. Allez, bouge ton pied de l'autre côté. Regarde comment est-ce que tu me provoques vraiment. Ah! N'ose pas gâcher mon marché puisque tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Elle fait semblant de tomber pour que nous puissions avoir pitié d'elle. Elle pense que c'est une blague, hein? Bouge ton pied, tu risques de le mettre dans le truc de maman. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est vraiment sale. Maman, laisse-la. Oui, oh. Mon Dieu. Arrange ton pied. Ah, tu n'as même pas encore donné un sur ce qu'on t'a demandé. Doucement. Doucement. Désolé, ma chère, désolé. Non, monsieur, je vous en prie.
Messieurs, doucement. Oui, je sais. Elle a mal. Désolé. Tu vas bien te porter. Doucement. Fais-le doucement. Doucement. Ça va aller. J'ai presque fini. Ne te dérange pas, ma fille. Voilà, j'ai fini. Monsieur Tijoké, elle ira mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Tijoké, je dois me mettre en route maintenant. Merci beaucoup. Merci. Tel que je t'ai dit tantôt, une fois que je vends mes ignames, je te remets l'argent, s'il te plaît. Je te le remets directement. Ok, pas de problème. Merci. Prenez votre attention. Merci. Je dois juste partir maintenant. Merci. J'aurais dû comprendre combien vous ne vous en faites surtout pas. Je reviendrai la voir demain. Ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Je crois que tu es déjà partant. Oui, oui. Ok, ok. Merci beaucoup. C'était fait très mal. C'est ici, ici. Ici. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ça va aller, hein. Calme-toi, calme-toi, ma chérie. S'il te plaît. La vie. Mon fils, viens ici. Qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur Uchechi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à qui? Uchechi, ta sœur. Ah. Est-ce que ça me regarde? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je ne pense même pas que ça me regarde. Michael? Depuis quand est-ce que tu me réponds par une question? C'est à cause des questions que tu m'as posées. Si vraiment j'avais une réponse, j'allais directement répondre. Dieu. C'est aussi simple que ça. Pose-moi une question même sur maman. Est-ce qu'il y a autre chose? S'il te plaît, tu peux partir. Pas seulement. Pas, quitte, 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 quitte. Ça me regarde pas. Si tu veux voir Uchechi, vous savez où la voir. Je ne comprends plus rien. Ça, c'est quel genre de problème, ça? Dieu! Ça, c'est quel genre de problème? Papa. Mais est-ce que tu peux finalement me dire ce qui se passe? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? J'étais tombée. Tombée? Oui, papa. Juste comme ça? Oui, papa. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce arrivé? J'étais allée puiser des eaux. Alors, par erreur, en marchant, j'avais raté une marche. Quand j'ai porté le seau d'eau, c'est comme ça que j'étais tombée. Et est-ce que tu m'as dit la vérité? Personne t'a frappé? J'ai dit la vérité, papa. La vie. Crois-moi, papa, personne ne m'avait frappé. Comment tu veux que je puisse te croire? Du fait d'être en route pour chercher l'eau, tu es tombé, tu te fais mal. Alors que tu sais bien que tu as un problème. Papa, tu sais que je. Si il y a quelqu'un qui te maltraite, dis-moi, je suis ton papa. Ah, non, papa, personne. Personne ne m'a touché, il n'y a rien. Personne, j'étais tombé, crois-moi. J'étais tombée. Oui, oui, j'étais tombée. Et quand je marchais, j'étais tombée, papa. Personne ne m'a frappée, personne. Ce que je t'ai dit, c'est la pure vérité.
J'étais tombée, c'est comme ça que c'était passé. Hé, hey, papa, non. Personne, crois-moi. Hein? Hey, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Papa, tu me donneras cet argent ou pas? Quel argent? Papa, tu me donneras cet argent ou pas? Mais quel argent, non? Non, je vous dis vrai. Non, j'ai besoin de cet argent. Aujourd'hui. Mais c'est quoi cette bêtise? Mais de quoi parles-tu? Mais comment de quoi je parle? Mais de quoi tu parles? Donnez-moi l'argent, je vais aller au Canada, je ne peux plus rester avec vous ici dans ce village. Et où est-ce que tu veux que j'aie l'argent? Nous avons une terre familiale. Nous avons une terre familiale. Nous avons une terre familiale. Mike, tu dois être en train d'être aventurier. En fait, tu es fou. Tu es stupide. Quel argent? Où est-ce que tu veux que j'aie l'argent? Je te dis que je vais aller au Canada pour améliorer ma vie et celle de ma famille. Papa, tu dis que moi je suis fou. Je suis stupide, c'est ça. Où est-ce que tu auras l'argent? Mais je pensais que tu avais une terre pour la famille. Il faut la vendre, donne-moi l'argent, je vais aller au Canada et améliorer ma vie. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Michael, ça c'est l'unique terrain qui nous reste. Et pourquoi nous gardons cette terre jusqu'alors? Papa, tu vas vendre cette terre et me donner l'argent pour aller au Canada. Il faut que j'aille au Canada. Je fais encore quoi ici avec vos villages? Michael, ça c'est l'unique terrain qui nous reste. Et on la garde pourquoi? Mais pourquoi nous gardons encore cette terre? Vends-la, papa, donne-moi l'argent pour que j'aille au Canada, papa. Papa, donne-moi l'argent quand je serai de retour. Tu verras, je pourrais même construire une villa, papa, hein? Mais pourquoi tu agis comme ça? Tel que tu peux voir, ça peut se faire comme ça? Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce que nous avons? Tu n'as que moi. Vendons la terre et laisse-moi voyager, papa. Michael, tu n'es pas l'enfant que j'ai. Tu me donnes pas l'argent. Alors s'il te plaît. Donc tu refuses, papa. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Michael. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, tu dois être fou ou stupide. Ah oui. Papa, tu dis que je suis stupide. Ok, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu dis que je suis stupide. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est aucune bêtise. Je vais te montrer quelque chose. Arrête ces bêtises, tu ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces garçons? On ne peut pas rester calme ici? Ça, c'est quel problème? Dans quel trou est-ce que je me suis entré? Mon Dieu. Ne t'inquiète pas. Vendre ce même terrain. Ne t'inquiète pas, papa. Michael. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous allez voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire, Michael? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais Michael, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais Michael, tu fabriques quoi? S'il te plaît, Michael. Arrête de faire ça. Michael, je te demande d'arrêter de faire. Arrête, Michael. Michael, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, papa. S'il te plaît, Michael, arrête. Arrête, Michael. Michael, s'il te plaît. Arrête. Michael, je te demande d'arrêter. Arrête, Michael. Vois ce que tu fais. Papa, tu me donnes cet argent ou pas? Très bien. Michael, arrête. C'est bien que je la brûle. Arrête, s'il te plaît. Va vendre cette terre et donne-moi l'argent. Ok, je vais te le donner. Tu vas me donner l'argent. Merci, je maintenant, on s'entend. Vas-tu vendre la terre ou pas? Je vais vendre. Alors, s'il te plaît. Voilà. Va-t'en de là. Mon Dieu. Tu n'as qu'une seule jambe. Tu ne peux pas être ici. Je suis désolé. Demain, très tôt le matin, tu vends cette terre. Très bien. Oui. Très bien. Mon Dieu. S'il te plaît, ma chérie. Mais pourquoi vous faites de telles choses à votre sœur? Je suis désolé. Je suis désolé, ma chérie. Ah, Seigneur. Mais vous voulez me tuer tous? Ton frère a voulu brûler la maison et toi, tu viens ici avec une seule jambe. Désolé, papa. Ah, mon Dieu, dans quel trou est-ce que je me suis jeté? Je suis désolé. Ah. Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Je t'aime aussi, yo. Je ne sais pas ce que tu m'as fait aujourd'hui. Je suis très, très contente. Merci, tu as coloré ma journée. Oh, tu sais, je ferai vraiment n'importe quoi pour toi. Je sais. Tout ce que tu veux. Merci énormément. Je t'en prie, viens là. Je t'aime. Je t'aime bien plus. Alors, je dois déjà partir maintenant. Je dois aller préparer le dîner. Oh. Ok, je te reverrai une prochaine fois. D'accord. Ok. Je crois que je dois partir maintenant. D'accord. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi, oh. Je le ferai, chérie. Bye. Bye. Michael, papa m'a dit ce qui s'est passé très tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Il t'a dit quoi exactement? Il a dit que tu voulais brûler la maison parce qu'il ne t'a pas donné l'argent pour aller au Canada. Comment pouvais-tu? C'est pour ça que tu es là. Non, Ngozi, dis-moi, c'est pour ça que tu es là. Mais c'est quel genre de question ça? Es-tu heureuse de me voir dans ce village? Es-tu heureuse que je souffre comme ça, dans ce village? Écoute, je n'ai pas la tête à ça. Es-tu heureuse de me voir dans ce village, dis-moi? Non, dis-moi, es-tu vraiment heureuse que mes amis m'appellent villageois? Non, Michael. Es-tu heureuse que mes amis me prennent pour un garçon inutile et villageois? Oh mon Dieu. C'est ce que tu aimes? C'est ce que tu veux pour moi? Non. Ce n'est pas ce que je veux de toi.
Tu sais que je t'aime et tu n'es pas éhonté. Tu es mon unique frère et tu le sais bien. Tu sais aussi que je t'aime bien. Maman t'aime et papa aussi. S'il te plaît, ça c'est la partie que je ne vais jamais accepter. Tu m'aimes? Oui, je sais. Maman m'aime? Oui, je sais. Mais tu vois cet homme qui s'appelle mon père? Cet homme n'a aucunement de l'amour pour moi. Il ne m'aime pas, il fait que je pourrisse dans ce village. Est-ce que c'est moi la cause de sa pauvreté? C'est à cause de moi qu'il est rentré dans ce village? C'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises? Est-ce que c'est moi qui suis la cause de tous ces problèmes? Est-ce que c'est moi sa barrière? Il avait deux entreprises là-bas, les gosses. Il a fait quoi avec? Pourquoi il veut que je sois comme lui? Hein? C'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises? On avait une bonne vie en ville. Dieu seul sait quel crime il a commis qui nous a ramenés ici dans ce village. Ça suffit. Hein? Tu veux dire quoi par ces bancs? Tu suis la barrière? Donc il veut que je sois comme lui, un villageois. Je ne peux pas rester dans ce village. Ça ne va pas marcher. Il va vendre ses terres. Et me donnera l'argent pour que je puisse partir. La seule terre que nous avons. Tu veux dire que par la seule terre? Oui. Donc, on va regarder la terre? C'est la seule terre que nous avons. C'est assez. Cette terre ne sert qu'à la voir, c'est tout. On va la vendre et je vais changer ma vie. Si je vais au Canada, les choses vont changer pour moi. Je me ferai de l'argent. Je ne serai plus la même personne. Vous allez voir, tout va changer. Je serai un grand homme. Vous n'aurez plus cette maison. Vous aurez quelque chose de plus grand. Ça c'est quoi? Non, mais dis-moi, ça c'est quoi? C'est vraiment ici que tu veux que nous vivions toute ta vie? C'est ce que nous avons pour le moment. Ok, calme-toi. Tout se passera très bien. Les choses seraient mieux de changer. S'il te plaît, toutes ces choses ne sont pas nécessaires. Qui a dit que ce n'est pas nécessaire? Parce que moi, là, je n'arrive pas à te comprendre. Qui t'a dit que ce n'est pas nécessaire? Tu vas trop loin. Rosie, va-t'en. Vas-y maintenant, Rosie. Désolé. Va-t'en. Désolé. Va-t'en. Ok. Va-t'en. Désolé. Vas-y. Mais vas-y. Désolé. Ogeni kamere nemujuru maju. Ogeni kamere umunemujuru maju. Ogeni kamere, ogeni kamere. Nene kamere, nemujuru maju. Ogeni kamere, umunemujuru maju. On ne peut plus se reposer dans cette maison. Laissez-nous un peu tranquille dans cette maison, non? Nous sommes maintenant dans un studio d'enregistrement. Bon après-midi, papa. Il n'y a rien de bon pour que tu viennes de me déranger maintenant. On ne peut plus boire de l'eau dans les calmes de cette parcelle. À tout moment. C'est quoi avec toi? Les plus ennuyants dans ce son, c'est que... Ce n'est pas du tout mélodieux. Toi avec tes sons hors normes. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux creuser ma tombe? C'est quoi ton problème? J'aurais même souhaité que ces musiques soient un peu douces. Ces sons que tu nous balances nous donnera des céphalées aux d'autres personnes quand elles sont tristes dans leur maison, en train de se consoler en chantant. Ça paraît un peu douce. Ne sais-tu pas que les gens font beaucoup d'argent avec ce genre de chants mélancoliques? Tu as brisé mon cœur. Les gens se bousculent au marché pour en procurer des CD. Même ceux qui font de la vie, c'est comme ça. Les gens courent pour en acheter des CD. Ils font des millions de copies. Des chants de cœur brisés font le marché. Même pour mon cas. Ton cas a toujours été différent. Paria. C'est que toi, tu nous fais entendre aussi si on amenait ça au marché. Personne ne voudra en acheter même une copie. Maintenant que tu pleures, fais ce genre de mélodie ou quand les gens passent, entendent et disent « Non, ce son est touchant. » Ainsi, tu te feras de l'argent. Pour ton cas, il n'y a rien. Aucun profit. Tes chagrins ne m'apportent aucun profit. Tout ce que tu sais faire, c'est de sucer les sons de gens dans cette maison. C'est quoi ton problème? Laisse-moi dormir. Laisse-moi prendre de l'eau calmement dans cette maison, s'il te plaît. Bien. C'est celui d'enregistrement que tu as ouvert maintenant avec tes amis paria invisibles. Je ne veux pas de ça. Dites-leur de partir. Vous tous là. Viens. Toi, Adana. Vous êtes. Partez d'ici maintenant.
rentrez chez vous. Je ne veux pas de ça. Vous êtes parti. Fia, même dans la tristesse, tu restes pas bien. Fia, arrête avec tes bruits. Tu dois m'attendre dans cette maison. Papa. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman. Inmaya, est-ce que tu peux m'aider pour cette fois, s'il te plaît? Chijoke, mm-hmm. Mon problème ici c'est, pourquoi veux-tu emprunter de l'argent avec ta propre terre, hein, comme garantie, juste pour impressionner ton fils? Mon frère, s'il te plaît, comprends-moi. C'est mon garçon et mon unique fils et je l'aime beaucoup. Je peux faire n'importe quoi pour les rendre heureux. Ma prière est telle que les choses marchent, car il veut aller au Canada. Et un jour, il reviendra vers ma famille et nous serons heureux. S'il te plaît, prends mon terrain en gage jusqu'à ce que je payerai. Si c'est vraiment ce que tu veux, hein? Je crois que tu devrais venir avec quelqu'un. Tu comprends? Qui te soutient au moins, avant que nous signions un document quelconque. Là n'est pas les problèmes. Je viendrai avec quelqu'un, demain. On fait comme ça. Je t'attendrai dans ce cas. Ok, merci. Je te prends congé. Très bien. Michael, mon fils, tel que je t'avais dit en avant, je te souhaite bonne chance. Et aussi, je sais que les dieux de ce village seront avec toi. N'oublie pas de revenir ici un jour. Tu es mon fils. Nous sommes commis à la réussite. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas le fils de qui tu es. Tu comprends ça. N'oublie pas le fils de qui tu es. D'accord, papa. Hein? Papa, laisse-moi le voir encore. Je garde son sac pour le voir. Attends d'abord. Tu es déjà en train de manquer à ta sœur. Oui, je t'accompagne. Grand frère. Bon voyage. Ne t'en fais pas. Regarde-les dans les yeux. Il t'aime beaucoup. Allons à la maison. Pourquoi tu veux pleurer? Il va revenir. Ne commence pas, pardon. Bébé? Salut bébé. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Oui bébé. Mais je pensais que... Je sais. Je voulais juste faire une surprise à mon bébé. Et également de voir ma mère. Mais tu devais m'informer, non? Tu devais me dire que tu venais. C'est pourquoi je te l'ai dit, je voulais surprendre mon bébé. Y a-t-il quelque chose de mal à vouloir surprendre mon bébé? Non, il n'y a rien de mal, mais tu devais quand même m'informer. Quoi qu'il en soit, l'important est que je suis là. Bienvenue. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, d'où est-ce que tu viens comme ça?
J'étais partie accompagner Michael. Tu sais, il voyage aujourd'hui. Waouh, je suis vraiment content de lui. Oh. Finalement, il l'a fait en tout cas. Il cherchait le voyage. Il l'a eu finalement. Ok, ça c'est bien. Donc, il est déjà en train de partir. Il fait d'abord un escale à Lagos et demain, il va voyager. Sa demande a enfin été acceptée. Oui, oh, et nous sommes tous contents. Je suis content pour lui. Oui. Waouh. Vraiment. Allons quelque part nous amuser. Tu sais, s'amuser un peu. Bon, tu vois très bien que tu m'as surpris. Alors, je ne sors pas aujourd'hui, je ne saurais pas. Je devais de rentrer. Tu connais très bien ma maman, non? Je suis sûre qu'elle me cherche maintenant. Elle est déjà en train de dire de n'importe quoi sur moi. Tu la connais bien. Alors, je dois rentrer pour l'aider avec du foufou. D'accord, pas de problème. Laisse-moi te conduire à la maison. Il n'y a pas de problème. Tu m'as beaucoup manqué. Viens là, toi. Prière de m'informer prochainement. Je sais, la prochaine fois. Arrête. Tu peux toujours me surprendre autrement. Merci. Bye. Alors, comment s'est passée ta journée? Oui, bien. Toi qui aimes des surprises, j'espère que tu m'as emmené des bonnes choses. Oui, bien sûr que je l'ai fait. Continue toujours à me surprendre. Maman? Maman? Maman, bonjour. Johnson. Maman? Johnson. Maman? Maman? Maman, maman, bonjour. Johnson. Maman? Toi? Ne me dis pas que tu t'es allé depuis ce temps et tu n'es pas venu me voir. Ah non, 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 je suis arrivé juste aujourd'hui, avant que je ne croise Ngozi en train de rentrer à la maison. C'est aujourd'hui que je suis arrivé. C'est vrai, maman. C'est ça. Oui, maman, il vient d'arriver. Oh, Ngozi, pas prendre pour lui les gants, hein? On ne sait pas ça, c'est là. Ok. Non, 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 je dois déjà me mettre en route. Oui, maman. À peine tu viens d'arriver. Oui, maman, j'ai vraiment quelque chose à fouetter. Ciao. Mais avant que je n'y aille, prenez ceci. C'est pour toi, maman. Voilà. Tout ça pour moi? C'est ça, maman. C'est ça, maman. Hey, toute cette somme? Oui, maman. Oui. J'allais tenir de le reprendre, mais je sais que tu ne voudras pas. Maman? Hein? Mais maman, avant que je ne rentre, je viendrai te voir. Oui, très bien. Je dois partir maintenant. À plus tard. Très bien, plus tard, maman. Ok, maman, garde-moi ça. Je l'accompagne. Oh, tu as gardé du corps. Non, maman. Mon beau, avant de rentrer, n'oublie pas de venir me rendre visite. En venant, n'oublie pas de me faire du bien. Ok. Je ne suis qu'en train de plaisanter. Ah, mon bébé est bien, Vico. Prends place. Je vais te dire un truc. Ah, quoi? C'est rien de sérieux. C'est juste au sujet de Johnson. Maman, c'est quoi encore à propos de lui? Tu sais, tu ne peux pas mettre tout ton espoir à un homme quand il n'est pas ton mari. Je ne comprends pas, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrive pas à comprendre.
ouvre tes yeux. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Nous sommes maintenant dans l'ère numérique. Tu comprends? Ne reste pas figé dans un système. Tu dois déployer des ailes. Ne reste pas sur place. Tu dois apprendre à diversifier tes entrées. Au cas où l'un t'ait brisé les cœurs, tu peux te consoler de l'autre bord. Maman, je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'essaie de dire est que... tu sais, tu dois avoir une autre personne à part Johnson. Au cas où Johnson t'ait brisé les cœurs, l'autre peut te consoler. Maman, es-tu en train de dire que je dois sortir avec différents hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? N'oublie pas que je suis une membre fervente de la communauté des femmes chrétiennes. Je ne peux pas te dire de faire ce genre de choses. Ok. Pas avec plusieurs hommes. Juste deux ou trois. Tu sais, tu peux gérer deux ou trois. Tout en étant heureuse avec eux, pendant qu'ils prennent soin de toi. Un seul homme ne saura remplir tous tes besoins. Hein? Ça veut dire autrement que je dois tromper mon homme. Bah non, je ne sais pas comment tu les qualifies. Mais ce que j'essaie de te dire... C'est un peu comme avoir des réseaux. Si dans l'autre réseau, il n'y a pas de connexion, tu peux te connecter dans l'autre réseau. Maman. Que veut dire cette exclamation? Je ne t'aurais pas trompé, mon petit ami. Non. Essaie de comprendre ce que j'ai dit, non? Yendeba, 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 yendeba. Maman, arrête. Je ne t'aurais pas triché, mon homme. C'est qui parle de tricher maintenant? Tu aimes toujours employer des gros mots. Ça s'appelle s'entraider. Ils t'aident, tu les aides aussi. Au moins une seule personne ne sera pas stressée avec tes demandes, tu comprends? Pendant que l'autre sera en train de prendre soin de tes besoins, ça donne le temps à l'autre de souffler un peu. Ça, c'est l'intelligence que tu dois appliquer maintenant. Mais je ne veux pas le faire. C'est pour ça que tu m'as appelée, hein, maman, je refuse. Nawao, regardez-moi cette fille. Maman, comme tu n'as rien à me dire, moi je m'en vais, s'il te plaît. Eh oui. Tu ne m'as rien dit, au fait. Si tu ne veux pas appliquer mes conseils, viens moi m'aider avec le business de Ako. Viens m'aider avec celui-ci. Viens m'aider à la porter à la boutique de maman Obina. Nania, ne sais-tu pas que ce conseil t'évitera d'être perdante à la fin? Hein? Donc maintenant, c'est seulement cette fille qui n'a qu'un pied qui écoute ce que j'ai dit, hein? Vois comment j'ai même transpiré. Yendeba, 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 yendeba. Maman, s'il te plaît, maman. J'ai faim. Maman, je t'en prie. Ça fait des jours maintenant que je n'ai pas mangé.
Ça fait des jours, maman, que je n'ai pas mangé. Je fais. Je t'en prie. Donne-moi à manger, maman, je t'en prie. Je fais. Non. C'est mieux que tu ne manges pas cette nourriture. Tu sais pourquoi? Si tu le manges, oh! J'ai pitié de toi. Si tu manges cette nourriture maintenant, fini, tu vas tomber. Et ce pied qui reste va se briser. C'est tellement délicieux que si tu le manges, tu tomberas ici et te casser l'autre pied qui reste. Donc le mien pour toi serait juste de rester comme ça. Au moins avec cette jambe, tu gères. Et si tu le perdais aussi, ça sera malheureux pour toi. Comment tu voleras avec ces béquilles? Tu risques de devenir une estropiée. J'ai à ta faim, oh, tu ne mourras pas. Crois ma gentillesse de ce matin. C'est pour ton bien que je le fais. Si je te donne cette nourriture, ça ne t'aidera pas. Ça ne t'aidera pas du tout. Maman, s'il te plaît. Je vais mourir de faim, maman. Tu vois ce que tu viens de dire maintenant, là, me rend heureuse. Nous venions à peine avoir une réunion en famille pour savoir comment mettre fin à tes problèmes, c'est-à-dire trouver la personne qui peut t'achever pour nous. Puisqu'actuellement, celui qui fait du mal à un infirme fera la prison. Hein? Donc, nous sommes en train de chercher comment achever ses plans. Ce mec qui t'a brisé les cœurs, je ne sais pas comment il t'a laissé inachevé. Je suis certaine que cette personne était déterminée à te tuer. Il a eu peur de te tuer, c'est pourquoi il t'a juste cassé ses jambes. Je suis en train de chercher celui qui peut te tuer complètement pour qu'on se débarrasse de toi. Et en mourant, tu vas aller rencontrer tes amis paria dans l'au-delà. S'il te plaît. Maman, oh? S'il te plaît. Maman, je t'en prie. Si c'est la nourriture qui va te tuer, s'il te plaît, tu dois mourir. Si tu meurs, ça fera du bien à tout le monde dans cette maison. Personne ne te tue parce que nous évitons juste d'être sous un mandat d'arrêt. Si tu peux mourir par toi-même, ça sera une bonne chose. Ça nous aidera beaucoup. Ça nous aidera beaucoup. Maman, s'il te plaît, juste une cuillère. Juste une bouchée. Une cuillère seulement, laisse-moi goûter. Laisse-moi goûter seulement, maman, une bouchée. Je t'en prie. Mba, je veux juste te faire du mal. Cette nourriture est très bonne. Tu vois comment tu veux te mettre maintenant juste à cause d'une simple odeur. Mba, non, je ne veux pas que les gens disent que c'est moi qui t'ai tué. Ndo. Hey. Quel regret. Ah, Soka. Bien, attention avec ma porte. Fais attention. Ne les fais pas tomber, oh. Ah. Hey, fais gaffe, oh. Ça sera un problème pour toi, oh. Ne gâche pas mon humeur. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ramasse tes béquilles. Ferme-moi cette porte. Très bien. Ne me prends pas pour une méchante, oh. Je ne suis qu'en train de t'aider. Cette nourriture est très délicieuse. Je ne veux pas que tu meurs entre mes mains. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Trouve-toi un autre moyen de t'ôter la vie. Va avec moi. Quand tu fais les toniques, tu descends. Est-ce que tu as un temps où ta bouche est fermée? Bien, reste calme, écoute ce que je venais te dire. Ok. Je te donnerai la nourriture. Juste à une seule condition. Maman, je suis prête. Je suis prête à faire n'importe quoi.
Je ferai tout. Bia, n'est-ce pas que c'est moi qui est venu parler avec toi? Tu veux prendre de l'avantage sur moi? Je te donnerai la nourriture à condition que tu m'aides à faire les hors-cours. Maman, maman, tu sais que je ne saurais pas. Hein? Maman, tu sais que je n'arrive pas à bien marcher. Ok, y a pas de problème. Je peux m'en aller, il n'y a pas de souci. Non, maman, maman. Je vais rentrer. Je le ferai. Je le ferai, oui. Tu es d'accord? J'accepte. Désormais, c'est toi qui se charge de mon hors-cours. Je suis prête. Oui, je suis prête. Je suis prête à faire n'importe quoi pour te rendre heureuse. Quoi? Allez, entre. Viens prendre la nourriture. Ok. Ne me fais pas perdre de temps parce que j'ai changé d'avis. Ok. Oui, maman. Dépêche-toi. Ok. Maman, maman, j'arrive. J'arrive. Tuer. Oh, Tchéti. D'ailleurs, pourquoi j'emploie les noms qu'elle ne reconnaît pas? Paria! Baria! Arrête de perdre mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Maman, je suis là. N'abîme pas cette porte. Fais attention. Merci, maman. Merci pour la nourriture. Bien. C'est avec ces mains sales que tu veux toucher, mais à quoi? Tu enlèves les morves avec les mêmes mains. Va les laver vite. Quoi? Approche-toi jusqu'ici. Comme ça, tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Ouvre bien tes oreilles. Il est temps de rentrer ici à la maison. C'est 17 heures juste, tu m'entends? Pas 17 heures passées d'une minute. Si par erreur ton père rentre avant toi et qu'il découvre que tu vends les haricots pour moi, hey, c'est que je te ferai, tes yeux verront ta nuque. M'entends-tu? Oui, maman. Bien. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as appelé qui? Qui est-ce que tu viens de m'appeler? N'étais-je pas interdit de m'appeler comme ça? Suis-je ta mère? Ai-je l'air d'être ta mère? Bien, ne m'appelle plus maman, je ne suis pas ta mère. Est-ce que tu m'entends? N'ose plus jamais le faire. Ne le sais même pas. Zinzin. Allez, prends ces bassines. Allez, mets ça sur la tête. On n'a pas de temps à perdre. Bien, bien. C'est comme ça que tu vas commencer à aller... Danser avec mon anko sur ta tête. Hein? Attention. Allez. Bon. Mets sur ta tête. Maman, s'il te plaît, laisse-moi te lire avec l'autre main. Oui. Ça ne va pas tomber. Bien. Maintenant que tu pars, tu dois finir de vendre toutes ces pièces avant de rentrer à la maison. Sinon, nous partagerons moi et toi la même moelle épinière. Maintenant que tu pars, tu vois cette chanson que tu fais ici, tout le matin. Tu t'en rappelles où tu faisais des montées et des descentes, hein, en bougeant un peu. Maintenant que tu pars, tu peux les balancer chemin faisant. C'est des choses comme ça que tu dois faire pendant que tu vends, hein, pour essayer un peu d'attirer les clients. Tu vois toutes ces filles jolies quand elles vendent, elles attirent les clients par leur beauté. Puisque toi, tu n'as rien de semblable et que ton cas est différent.
ce qui peut t'aider à avoir des clients, c'est de chanter. Un truc genre, laisse-moi t'aider. Achète ton akou, achète ton akou, achète mon akou, beauté et ma kou. Achète mon foufou, foufou toroutou. Un truc comme ça. Essaie de le faire pendant que tu marches. Achète mon akou, achète ton akou, foufou toroutou. Tourne, tourne non. Achète mon akou, achète mon foufou, achète ton akou. Foufou tolu tolu, achète ton nakou. C'est déjà intéressant maintenant. Je peux voir comment les clients s'avancent. Achète ton nakou. Achète ton akou. Continue de chanter. Ça devient intéressant. Je vois comment les clients sont en train de courir pour en acheter. Tu vois, hier, quand on est sorti de l'école, on avait un devoir qu'on nous avait donné, non? Alors, nous nous sommes décidés avec mes amis d'aller travailler ces devoirs avant de rentrer à la maison. On avait tellement fini tard que mes parents m'ont interdit d'aller finir ces devoirs aujourd'hui. Ah,
Mais moi, je n'irai pas aujourd'hui. Mais j'irai demain. Et pourquoi? J'ai beaucoup de travaux à faire à la maison, tu le sais bien. Toi, avec ce travail, c'est tout le jour comme ça. Tu sais que je suis seule chez nous, alors je dois aider ma maman. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer cet après-midi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je serai au marché aujourd'hui. Eh ouais. Regarde là. Sa famille l'appelle Paria. Ah, Azoba. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est évident? N'as-tu pas entendu ça? S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'on t'a dit sur elle est vrai? C'est vrai, tout ce qu'on dit sur elle est vrai. C'est bien vrai, j'en suis très certaine. Imagine qu'une personne soit maltraitée dans sa propre famille. Et tu crois que c'est pour rien? Oh mon, cette fille est mystérieuse. Écoute, c'est à vérifier s'ils sont vraiment ses parents biologiques. Oui, ce sont ses parents biologiques. Elle est connue de tous dans ce village. C'est une paria. C'est tout le monde qui confirme qu'ils sont ses parents biologiques. Oui, ils sont bien ses parents. Tantine Zoba, si tu finis le commérage, rentre chez toi. Quant à moi, je m'en vais. N'importe quoi. Quitte-la. Attends-moi, non. Je refuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends-moi. Attends le feu. C'est quoi ça? Attends-moi, non? Maman, j'arrive. Bien, non. Apporte-moi de l'eau. Ngozi, apporte-moi de l'eau, non? Maman, j'arrive. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, maman, tu vas finir la nourriture. Je pense que tu prends beaucoup de temps. Tu vas finir la nourriture. Prends ton eau. Laisse-moi le gober. Maman, tu as bien préparé, C'est très on bon. La cuisine est mon département. Est mon travail. Je ne sais pas pourquoi tu laisses ta nourriture pour venir manger la mienne. Allez. Merci, ça. Maman. Maman, je suis revenue. Bienvenue. Mets les bidons à côté. Ta nourriture est dans la cuisine. Merci. Maman. Tu commences à montrer beaucoup d'amour à cette fille. Je ne suis pas contente.
Biko, je ne veux pas que les gens viennent dire ici que je suis méchante. La Bible dit qu'on ne doit pas retourner le mal en mal. C'est ce que j'essaie de faire. Sa méchanceté est énorme. Tu veux que les gens disent que je suis une femme méchante? Non. J'ai vu de donner l'occasion aux gens de parler. Tu sais, ce genre de choses sont vraiment incompréhensibles. Comment tu peux donner naissance à un enfant pour que cet enfant devienne un problème pour toi? Problème, un grand problème même. C'est un problème spirituel. Vraiment, on dirait un complot de ténèbres. Je ne sais pas où. Comme une malchance, comme un trouble. Hein? Et cela depuis le jour où je l'ai mise au monde. Je ne peux plus boire de l'eau calmement dans ma maison. On va d'un problème à un autre, d'un trouble à un autre. Une paria. Ah ah, maman, je suis très confuse. Ça veut dire que je ne comprends rien du tout. On vivait bien, on est très très bien lorsqu'on était en ville. À cause de cette fille, on est ici. Voilà comment nous vivions maintenant, hein. C'est seulement lorsque tu l'as mis au monde, hein. Mais, maman, avais-tu visité un devin lorsque tu étais enceinte d'elle? Désolée. Ça, c'est quelle bêtise. Maman. C'est quelle bêtise. Moi. Une membre fervente des femmes chrétiennes allait visiter des fétiches. Désolée, maman. Lève-toi. Quitte-la. Désolée, non, maman. Va-t'en. Qui t'a invité de venir manger ma nourriture? As-tu déjà mangé la tienne? Regarde comment tu te transformes en un ballon d'air. Maman, donne-moi la viande, non. Maman, non. Tu laisses ta nourriture pour venir manger maman, la mienne pour commencer désolé, à raconter les ragots. Désolée, non, donne-moi. Regarde maman, désolée, hein. Donne-moi, rentre non. Rentre dans la maison. L'éléphanto. Gourmande. Ne touche pas la casserole qui est à la cuisine, non? Ne touche pas la nourriture que j'ai laissée dans cette casserole. Oui, maman. N'importe quoi. Ok. Ma soeur, tu vas aimer ces foufous. Ma maman prépare très bien. Il n'y a pas de problème. Tu vas adorer. Ma maman fait bien son foufou. Tu vas aimer. Je t'assure. Merci. Tu peux venir. C'est très bien. Je suis ici. Tu peux passer demain pour en acheter. Il n'y a pas de problème. Si d'accord, merci. Merci. Passe demain, je serai là. D'accord, je viendrai. Merci. Oui. Au revoir. Bye bye. Apou. Achetez l'apou. Apou de bonne qualité. Venez acheter. Achetez l'apou. Achetez la poule. Apu Toruto. Oh, cliente, tu es là. J'espère que vous le faites bien. Attends que je te sers. Est-ce que ça goûte? Oui, maman. C'est bien. Tu vas aimer. Madame, maman prépare très bien la poule. Attends seulement, tu vas voir. Une fois que tu vas goûter. Tu les vends à combien? Espérons que ça soit bon, hein. Espérons que je vais apprécier. Sinon, je ne viendrai plus acheter chez patience, toi. Patience, madame. Juste. Regarde, tu vois. D'accord. Bye bye, madame. Bon appétit. Achetez la poule. Achetez la poule. Venez acheter. Venez acheter. Venez acheter. Achète ton apou. Apou de bonne qualité. Venez acheter. Apu Toruto. Oh mon dieu. Venez acheter. C'est quoi? Oh madame, tu veux encore en acheter? Madame, que je mette combien de boules? Écoute, je cherche mon argent. Je suis sûre que c'est tombé ici. Hé, hey, ton argent? Oh. L'argent, comment ça? Ah. Madame, je n'ai pas vu ton argent. Tu veux dire quoi par tu n'as pas vu mon argent? Si tu ne l'as pas vu, donc c'est toi qui l'as volé alors. Hé, hey, madame, non, 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 non,
Non, je n'ai pas vu ton argent. Je ne suis pas une voleuse. Si je l'avais vu, j'allais te les remettre. Je n'ai rien vu. Peux-tu la fermer? Tu es une voleuse. Quelqu'un fait tomber ton argent et tu l'as volé. Tu l'as mis dans ta poche. Oh, non, 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 madame, vous vous trompez. Vous vous trompez, je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas pris votre argent. Les gens dans le coin me connaissent. Ils savent que je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas une voleuse. Peux-tu la fermer? Je viens à peine d'être ici, alors c'est ici que mon argent est tombé et tu l'as volé. Ferme ta gueule. Madame, je jure, je n'ai pas vu ton argent. Je n'ai rien vu. Madame, ça c'est tout ce que j'ai vendu aujourd'hui. Ah, je n'ai pas vu ton madame, argent. Je ne suis pas une qu'est-ce qui se passe ici au juste? Quel est le problème? Peux-tu imaginer? J'ai acheté quelque chose ici chez cette fille. Uh-huh. J'ai fait tomber mon argent et elle s'est précipitée de le mettre dans son sac. C'est une volée cette fille. Hé, mon frère, je jure. C'est vrai je ça? Je jure, j'ai pas vu son argent. Je n'ai rien vu. Je ne suis pas une voleuse. Cette fille est une voleuse. C'est une voleuse. Ne crois pas en elle. Hé, non. C'est pas vrai, je le jure, je n'ai rien fait. Je ne suis pas cette fille, oh. Ne la suis pas. Mon argent est tombé ici et c'est elle qui l'a volé. Elle l'a vite mis dans son sac. C'est vrai ça? C'est pas vrai, je le jure. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Maintenant même, tu vas nous conduire à la maison de ton père. Donc c'est toi la voleuse dans ce marché? Oui, pars avec elle. C'est une voleuse. Allez, avance. Oh, oui, oui, oui. Donc c'est toi la voleuse? C'est une voleuse, oui. Dépêche-toi. Voleuse. Donne mon argent. Voleuse. Voleuse que tu es. Tu n'es qu'une voleuse, toi. Espèce de voleuse. C'est bon. C'est bien fait allez, toi. Dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. C'est bon. Allez, vas-y là-bas. Lève-toi. Voleuse que tu es. Tu as volé mon argent. Dépêche-toi. C'est bien fait pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Madame, ta fille a volé mon argent lorsque j'ai acheté chez elle. C'est une seule voleuse. Non, maman, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai pas volé son argent. Je n'ai rien pris. Regardez-la. Elle n'arrête pas de mentir. Je le savais. Maman, tu me connais. Tu sais que je suis pas une voleuse. Tu sais que je n'ai jamais volé ma maison. Maman, dis la vérité. Tu me connais. Une sale voleuse. Je suis pas une voleuse. C'est pourquoi. Je comprends. Je comprends. Tous les billets qui disparaissent dans la maison, 500, 200. C'est donc toi. C'est donc toi qui les prends. C'est toi qui fais disparaître mes billets dans cette maison. Voleuse. Voleuse. Ne pense pas que je vais te couvrir puisque je suis ta mère. N'oublie pas que je suis membre fervent de l'organisation des femmes chrétiennes. L'honnêteté est parmi mes valeurs. Madame, tu peux aller avec elle. Qu'elle te donne ton nom. J'en étais sûre. Elle doit le sortir d'où elle a caché. Va avec elle, je ne sais où. Va avec elle. Allez, quelle part de l'emmener en prison. Prenez-la. Qu'est-ce qui se passe ici? Calme-toi d'abord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me raconter ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi est-ce que ma fille est par terre? Papa, elle a volé l'argent d'autrui. Elle a volé l'argent? Exactement. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Exactement. Elle l'a volé lorsque j'ai acheté à goût chez elle au marché. Et elle le faisait déjà. Elle le faisait depuis longtemps. Bam. C'est une voleuse. Comment ça? Excusez-moi, ah bon? Oui. L'argent? Oui. Oui. Ta fille a volé mon argent. Elle l'a toujours fait depuis. C'est pas vrai. C'est pas vrai, papa. Tu me connais très bien. Je n'ai rien volé. Hey. Je n'ai pas volé ton argent. Papa, je t'en prie, crois-moi. Papa, crois-moi, je t'en prie, crois-moi. Je n'ai pas volé ton argent. Je te crois, ma fille. Je n'ai rien volé. Tu n'as jamais volé auparavant. Mais c'est s'il vous plaît. Je vous en supplie, ma fille n'est pas une voleuse. Oh. Ta fille n'est pas voleuse. Donc, moi, je mens alors. Uchechi, qui t'a envoyé au marché? Qui t'a envoyé au marché? Je faisais un tour et je m'étais décidé d'aider maman à vendre son foufou. Ça, c'est pas sérieux. Tu étais allée seule ou elle t'avait envoyé? Non, je m'étais décidé moi-même. C'était ma décision. Mon Dieu. Ça a toujours été le cas. S'il vous plaît, combien était votre argent? Mon argent, c'est 2000 naira. 2000 naira? Oui, 2000 naira. C'est comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Donne-moi l'argent pour lequel je te bâtis votre. Donne qu'est-ce ça. Que tu veux faire? Donne l'argent. Quel argent? C'est de cette façon que je vais avec les autres, ça. Mon argent. Akoui, papa, pourquoi tu es toujours injuste? À chaque fois que l'argent entre dans cette maison, tu le dépenses toujours en compte de cette fille. Toi là, c'est tu feras mieux de te taire. Je t'ai demandé de te taire. Ferme ta bouche. J'espère que tu comprends. Oui, c'est complet. Dieu t'a épargné.
Hey. Hein? Ton père t'a vraiment sauvé maintenant. Voleuse. N'importe quoi. Dis donc, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'ai pas du tout aimé ce que tu viens de faire. Ah, tu n'aimes pas ça. Je ne peux pas me permettre de laisser ces gens passer à la maison. Rien de ce qui s'est passé, ce n'était la vérité. Ils vont nous entendre. Ce n'était que des bêtises. C'est fini qu'une seule voleuse. Je n'aime pas ça, oh. Tu aurais dû les laisser payer le prix de son péché. Lève-toi. Je vais les tuer. Lève-toi. Je vais les tuer, oh. Voleuse. Ça va. Je vais moi-même les chercher de toi. Ne t'approche pas. Arrête tes bêtises. Arrête, je te préviens. Arrête. Tais-toi dans ce que tu es en train de faire. Tais-toi. Pour venir me faire faire des dépenses dans cette maison. Je vais te... Attends. Je vais te tuer. Toi, je te préviens. Arrête de faire ces bêtises. Je te préviens. Je vais perdre tout mon argent. Arrête. À cause de cette voleuse. Ma chérie, monte. Tu en paieras le prix. Monte. Je te le promets. Hey, Madame la Chantre, Madame la Chantre, tu ne te fatigues jamais. À tout moment, tu ne te fatigues jamais. Hein? En effet, j'aimerais te parler. D'accord, ma soeur. Hein? N'ose plus jamais, m'appeler par ce nom. Je ne suis pas ta soeur, je l'ai déjà dit autant de fois. Mais c'est comme si tu as un problème avec tes oreilles. N'ose plus jamais m'appeler par ce nom. Sinon, je te ferai du mal. Espèce de éhontée. Tu aimes toujours déranger les gens à tout moment. Tu penses que tu vas reprendre tes jambes. Stupide fille. Voici ma question. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'aimerais savoir, c'est quoi ton problème? En fait, tu causes beaucoup d'ennuis dans cette maison. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et apparemment, tu as toujours envie de continuer. Tu n'as même pas envie d'arrêter. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Ma soeur... Arrête, ne... Écoute, je suis en train de parler. Tu n'as qu'à la fermer lorsque moi je parle. M'as-tu compris? Ah, maintenant, écoute-moi bien. Ça serait mieux pour toi si tu quittais cette maison. Pour que nous ayons la paix. Et toi aussi, tu en auras. Sinon... Tu pleureras toute ta vie. M'as-tu compris? Tant que tu seras dans cette maison, tu continueras toujours à pleurer. Tu es vraiment méchante. Tu es sans cœur. N'as-tu pas de conscience? Tu continueras à pleurer toute ta vie. Prends tes affaires et sors d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Mais ça, c'est ma famille. Ça, c'est aussi ma famille. Je devrais vivre sans ma famille. Pourquoi je ferais du mal à ma propre famille? Je n'ai rien fait. J'aime ton Dieu. Je t'ai dit que tu n'as pas de famille, toi tu continues à me dire que tu y en as. C'est vraiment étonnant. Je viens de dire ceci, écoute-moi bien. Laisse-moi te dire la vérité te concernant. Tu n'as pas de famille. Hey. Tu n'as pas du tout une famille. Nous ne sommes pas ta famille. Lorsque tu avais décidé de venir dans cette maison... Et devenir une paria. Tu mets tout le monde en frustration. Toute chose que papa peut faire pour gagner de l'argent, c'est ce que toi tu y aimes. Tant que tu as accepté d'être celle que tu es, nous ne sommes pas ta famille. Tu n'es pas ma sœur. Enregistre ça dans ta sale petite tête. C'est quoi ton problème? Moi je parle et toi tu parles. Nous ne sommes pas ta famille. Tu ne peux pas être l'une de nous. Nous ne sommes pas ta famille et on ne peut pas l'être. N'importe quoi. Continue avec tes bêtises que tu étais en train de faire. Grande sœur. Hé, si tu oses encore m'appeler, comme si tu es folle, hein? N'importe quoi. Espèce d'idiote. Grande sœur. Waka. Grande sœur. Oh, Dieu.
Tu es où es-tu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ma famille, mon Dieu? Mon Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que je fais? Je t'en prie. Je t'en prie, mon Dieu. Oh, aide-moi. J'en vais plus. Très bien. Voyez, vous commencerez par ici. Jusque de l'autre côté. Vous voyez ça? Oui, 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 je peux voir ça. Vous pouvez le voir, hein? Oui. Ok. Plus loin de ce côté-là. Au fond, oui, là-bas. Jusqu'au bout, là-bas. Ok. C'est par là que vous allez vous arrêter. Ok. Alors, combien dois-je vous donner pour tout ça? Donne-moi juste 6 000. Oh. La brousse est tellement vaste. De la même manière que tu peux le voir. Qu'est-ce qu'il vaut 6 000 là? La brousse est si vaste, telle que tu peux voir, non? Regarde, regarde, tu peux voir ça de toi-même. Oui, je sais, mais 6 000, c'est vraiment trop pour cet endroit, non? 6 minéras, c'est vraiment trop. Oh gars, 6 000 rien que pour ça. Oh, ok, ok, d'accord, d'accord. Oh gars, tu dis ok. Je vous donne 4,5 pour ça. 4,500. Je vous donnerai 4,500. Ok, y a pas de problème, je le ferai. Ah, je ferai un bon travail. Vous êtes mon homme, comme d'habitude. Oui, si vous faites un bon travail. Ok, je vais vous laisser 2 000 pour le moment. Quand vous aurez fini, je vous donnerai le reste. Oh, je ferai un bon travail. D'accord, crois-moi. Si vous finissez, faites-moi savoir. Crois-moi, je ferai un bon travail. Merci bien. Ngozi. Ngozi. Ngozi bébé. C'est qui que je vois? Nkiro. Ngozi. Ngo bébé. Regardez-moi celle là-haut. Ça fait très longtemps. Oui. C'est comme ça qu'on vit. Hein? C'est normal. Arrête ça, s'il te plaît. Écoute, je suis toujours là-haut. Mais... Ah! J'ai des aimants ici. Oh. Laisse à toi. J'ai tout compris. Depuis que mon frère a voyagé. Hein? Tu as raison. Oh. Tu as raison. Il me manque vraiment beaucoup. Ah, t'inquiète. Oh, son absence-là fait très mal à tout le monde pour le moment. Et je suis très sûre que tu le sais. Alors t'inquiète, ça va aller. Hein? Je crois. Ngo, mais j'ai très peur. Peur de quoi encore, Nkiro? Je ne peux pas te mentir. J'ai peur qu'il me quitte pour une autre femme. Quelle autre femme? Quelle autre femme? S'il te plaît, arrête, arrête, arrête ça. Arrête. Écoute, mon frère que je connais t'aime énormément. Je sais très bien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je le connais très bien. Il ne peut pas faire ce genre de choses. T'inquiète, ma chérie, hein, s'il te plaît. Sois calme. Ok. Bon, comme tu l'as dit. Alors, dis-moi, où est-ce que tu vas? Je pars chez maman Obina. Tu sais qu'elle nous avait aidé pour vendre... Oui, 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 c'est vrai. L'argent. D'accord, il n'y a pas de problème, je peux t'accompagner. Je n'ai rien à faire. Tu croyais que j'allais te laisser? Jamais, ah? Allons-y. Tu veux voir maman aujourd'hui? Ah oui, il n'y a pas de souci. Ah oui. Hé, hey, maman Obina. Bonsoir, maman. Bonsoir, Ngozi. Comment tu... Je vais bien, maman. Ma mère m'a envoyé... C'est ça. Allez, tiens. Waouh. Tu as tout vendu? J'ai tout vendu. Oh, waouh. Merci énormément. Ok. Ma mère sera très contente. C'est bien, ok. D'accord, merci, bye. Akaya
Akachi ofane mema. Onwe bobeya. Yene wane bema. Cette fille m'a beaucoup énervée, je te dis. Franchement. Ah, ne la suis pas. Ah ah. Maman. Maman, bon après-midi. Hey, c'est toi qui nous visites aujourd'hui. Hey. Oh, go la visiteuse. Hey. Maman. Oh. Depuis que mon fils est parti, donc toi aussi tu as disparu. Est-ce que c'est juste? Hein? Ce n'est pas ça, maman. Je suis désolée, maman. Ce n'est pas du tout gentil. Ce n'est pas ça. Comment va ta mère? Elle va bien, maman. Et vous, comment vous allez? Ah oui, ça va. Elle a tout vendu. Et vous? Ce n'est pas vrai. Oui. Eh ouais. Ouh. Hé, quel marché. Quoi? Gardez-le moi là où personne ne verra, oh. Maman, je vais bien garder, c'est bon. Mais c'est à cause de vous, non? C'est vous qui me poussez jusqu'à ce point. Hey. D'accord, maman, je Bienvenue, suis là. Hein? Moi, je dois manger, oh. Alors, emmène-moi tout ce que vous avez dans cette maison. Hé, Ujiji. Sois la bienvenue. Hey, ferme ta sale gueule. Es-tu folle? Hein? Qui est-ce que tu es en train d'appeler? C'est qui que tu salues? Mon ami Nkero. Es-tu folle? Hein? As-tu perdu ta tête? Si tu oses encore le faire, je m'en prendrai à toi. Tu veux l'infecter avec ta malchance? Hé, hey, lève-toi. Vite. Lève-toi de là. Va à l'intérieur. À l'intérieur. Allez, lève-toi. Allève ton sale corps sur cette chaise. Allez, va à l'intérieur. À l'intérieur. Tu n'as même pas honte de rester ici au salon pour que tout le monde puisse te voir. À l'intérieur. Allez, avance vite. Va à l'intérieur. Vite. Bouge. Paria. Tu veux l'infecter avec ta malchance. Espèce de stupide. Attends, je vais alors te prendre ce que tu avais demandé. Ngozi, quoi? Pourquoi tu lui parles ainsi? Sainte Marie, pourquoi ne pas lui parler de cette façon? Écoute, c'est comme si tu ne connais pas cette fille. Tu ne connais pas cette fille. C'est une paria. Elle est vraiment une malchance. Oui, ne me donne pas ces regards. Je sais bien ce que je dis. Je suis en train de te protéger. Si seulement elle te touche, ou je lui permets seulement de te toucher, ou elle avait terminé cette salutation. Hey. Et lorsque tu allais arriver à la maison, tu allais remarquer quelque chose. Je suis sérieuse, ne me regarde pas ainsi. Avant que tu n'arrives à la maison, quelque chose de terrible allait arriver. Connais-tu comment cette fille nous maltraite ici dans cette maison? Hein? Penses-tu que je suis en train de blaguer juste comme ça? Cette fille n'est pas bien. Elle est une paria. Tu ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Je suis en train d'essayer de te protéger. Ça suffit. Ah, je suis en train de te dire la vérité. D'accord, et c'est tu bon. Te moques va de me moi. Prendre à manger. Je t'avais dit que j'ai d'accord, très faim. C'est bon alors. Dépêche-toi. J'arrive avec. Attends-moi, j'arrive. Oh. T'inquiète. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que Michael, Ngozi et sa maman détestent énormément Uchechi. Ils ne font que l'insulter. Qu'est-ce que cette fille innocente a fait pour mériter cette vie? Pas d'amour maternel, pas d'amour fraternel. Ah, mon Dieu, j'ai vraiment pitié d'elle. C'est bien, papa. Tu essayes déjà. Je vais y arriver. Oui, tu t'es promis. Oui. Oui, doucement. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien.
Papa. Papa, merci. Maman, tu exagères. Oui, c'est bien. Papa, avance. S'il te plaît, laisse-moi d'abord marcher seul. Allô, ça c'est bien. C'est bien. C'est bien ça. Oui. C'est oui, bien papa, ça. Papa, je le fais. Oui. Oui. Papa. Un okay. C'est bien. Bien. Cette fille, tu es suspecte. Tu l'avais aussi fait, non, maman? Ma fille, tu t'améliores. Oh, papa. Maman. Ah. Mon fils. Mon fils. Grand frère. Ah. Grand frère. Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Michael. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, désolé. Désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Les choses ne se sont pas bien passées pour moi. Je n'ai pas quitté ce pays. Ah! Tu étais où? Ah! Papa. Papa. Venez voir. Okay. Papa, tu es ok. Papa, tu es ok. Papa, s'il te plaît, papa. Papa, okay. Papa, s'il te plaît. Okay. Papa, ok. Papa, s'il te plaît. Papa, réveille-toi. Maman, maman, non, hey, au secours. Au secours. Papa, s'il te plaît, papa. À la rescousse. Hey, à l'aide. À l'aide. Ne fais pas ça. Réveille-toi, papa. S'il te plaît, papa. Quelqu'un peut nous aider? Papa, je suis désolé, papa. Papa. Papa, papa, oh non, hey, hey, papa, oh non, oh non, papa, oh non, 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 papa, non, c'est pas vrai, non, papa, papa, non, papa, non. Non, non, papa, papa, non, non, papa, c'est pas vrai, papa, je t'en prie, papa, 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 non, papa, non, papa, 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 oh, papa, 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 tu vas le laisser. Qu'est-ce que je vais devenir, papa? Qu'est-ce que je ferai sans toi, papa? Je t'en prie. Mon amour, peux-tu arrêter, s'il te plaît? C'est déjà fait, il n'y a rien que tu peux changer. S'il te plaît, peux-tu arrêter de pleurer? S'il te plaît, allons à l'intérieur, tu vas te débarbuer et manger quelque chose, ok? Je suis désolé. Vraiment désolé pour tout. Papa. Ça va. Tout ira très bien, ok? Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Comme ça, tu vas prendre ton bain et manger quelque chose. Merci. Lève-toi.
Michael. Ah. Michael. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dis-moi réellement ce qui s'est passé parce que tu n'es pas de bonne humeur tous les jours. Tu es déjà là il y a quelques jours et je remarque cela. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vas-y, dis-moi. En ce jour-là, ma sœur, quand je suis arrivé en ville, quelques minutes après que je sois descendu du bus et j'avançais vers ma destination, je remarquais que trois hommes me suivaient. J'ai essayé de crier. J'ai essayé de crier à l'aide. Mais la route était vraiment isolée. Et quand je voulais fuir, ils m'ont attaqué. Ils m'ont pris tout mon argent. Ils ont pris mon téléphone, ils ont pris tout ce que j'avais avec moi. Et puis, j'ai ramassé mes pièces. Et j'ai continué. Et sur mon chemin, j'ai vu un bar. Avec une notice que l'on cherchait les travailleurs. Alors je suis entré pour essayer d'avoir ce travail. J'ai servi cet homme dans l'espoir que dans l'espace de 2 ans ou 3 ans, il me paierait tout mon argent. Avant de le savoir, cet homme avait déjà planifié de me chasser parce qu'il ne voulait pas du tout me donner mon argent. Il a porté des accusations sur moi. Il m'a appelé voleur. Et là, il m'a chassé de son bar. Alors, j'étais encore sur la rue. Sans rien du tout. Sans aucun sou. Ma sœur, la question ici c'est, à qui ai-je fait du mal? Qui est-ce que j'ai offensé? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que quand je fais un pas, ça ne donne rien de bon en tout cas? À chaque fois que je sens mon succès arriver enfin, tout s'échange en désastre. Pourquoi? Ça suffit, ça suffit. Tout se passera très bien. Tu sais très bien qui est derrière tout ça. Nous avons une paria dans cette maison. Alors je ne suis même pas surprise. Mais je sais que un jour, Dieu fera quelque chose dans nos vies. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tout se passera très bien. Quand? Gozi, quand? Quand est-ce que les choses vont enfin changer? Quand? Bientôt. Bientôt? Oui. Crois-moi, très bientôt. Ok? Tu n'es pas un voleur, je le sais très bien. S'il te plaît,
Tu dois te calmer. Tu es dans cet état il y a de cela plusieurs jours. Je t'en prie, arrête ça. Et tu n'es pas de bonne humeur tous les jours. Je suis en train de regarder depuis que j'étais là-bas. Du calme. Tu ne peux pas rester ainsi. Tout se passera très bien. Hein? S'il te plaît, allons manger. La nourriture est prête. Hein? Ok, je vais alors t'attendre. Ok? Sorcière. Obstacle. Sorcière, regarde-la. Barrière. Obstacle. Sorcière. Grande sorcière. Tu es parvenue à tuer notre père. Es-tu heureuse maintenant? Je te demande, Yotz, es-tu heureuse maintenant? Sorcière. Grand frère, je n'ai pas tué papa. Quoi? Tu l'as pas tué? Et tu parles quand je parle. Es-tu folle? As-tu perdu ton respect? Sorcière, la prochaine fois si je parle et tu réponds, tu verras ce que je vais te faire. Meurs! Meurs! Une grande sorcière! Barrière! Obstacle, c'est toi! Sorcière! Tu continues de me regarder? Hein? Toi, le courage de parler! Tu as le courage de parler. Sorcière. Sorcière. Grande sorcière. Tu auras ce qui est bon pour toi. Tueuse. 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 Thank you.
Mon amour. Oui, chérie. Vas-y, parle. Tu sais, je suis très content. Tout s'est bien passé durant le funérailles de ton père. Et ça fait un mois déjà. Je pense que tu devrais avancer maintenant. J'essaye. Oui, parce que aucune quantité de larmes ou d'inquiétude pourrait de nouveau le ramener à la vie. Tu comprends? Ok? Et une chose de plus. Je n'ai pas cessé de vouloir faire ceci. Mais j'attendais tout simplement le bon moment. Mais je suis désolé, je ne peux vraiment plus attendre. Et je crois sincèrement que c'est le bon moment. Quoi? S'il te plaît, mon amour. Prends cet anneau. Sois ma femme et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Ok. Alors? Oui. Tu acceptes? Oui. Waouh. Viens là, viens là. Waouh. Ça, c'est très beau. Merci. Tu l'aimes? C'est très beau. Oh, c'est pourquoi tu m'as appelé ici. Exact, c'est ça. J'aime ça. Waouh, je ne pensais pas que tu apprécierais l'anneau, mais je suis content. Oui, j'aime ça. Tu sais que je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Mon amour. Oh, tu m'as rendue heureuse. Il y a de cela un mois que je ne suis plus heureuse. En riant comme ça. Merci énormément. Il n'y a pas de quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je suis impatiente de la montrer à ma maman. D'accord. Bien, allons quelque part célébrer. Ah oui, d'accord, allons-y. On y va maintenant. C'est bon, allons célébrer. Oh, je suis impatiente de la montrer à ma maman. Wow, je suis très content. Je ne pensais pas que tu apprécierais l'anneau, tu sais. J'espère qu'elle sera aussi heureuse. Il y a de cela quelques temps qu'elle n'est plus dans son assiette. Tu comprends, non? Oui. Mon Dieu. Ah. Viens, notre aide. Ah. Maman? Hey, tu sors d'où? Tu comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu es toute souriante. Maman, je vais bien. Tu vas très bien chez moi. Il m'a fait la demande. Attends, qui t'a proposé? Ah, John Tong, bien sûr. It's your wedding day. Happy wedding day. Your wedding day. Eh, oh, yo, bien. Ça ne se célèbre pas dehors. Viens, viens, entrons à la maison. Allons célébrer dans la maison.
Ma soeur bien-aimée, je suis prêt pour partir. Je vois que tu es prêt pour partir. Oh oui, je suis prêt. Oh, je te souhaite bonne chance. Oh, merci. Cette fois, je n'aurai pas seulement un travail, mais avec un gros salaire. T'inquiète, c'est ce que nous voulons. Ça va aller. Vas-y, non? Bonne chance, mon frère. Ok, merci. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de la maison. Bien sûr que je le ferai. Bonne chance. Merci. Fais attention là-bas. Bien sûr, toi aussi. Bye. Au revoir. C'est exactement ce que cet homme m'a dit. Ah. Que ce travail n'était pas fait pour moi. Hey, c'est quel genre d'une erreur stupide comme ça? Comment peux-tu dire que ce message était une erreur? C'était pour une autre personne, je ne comprends pas. C'est quel genre d'erreur comme ça? C'est vraiment très stupide. N'avait-il pas écrit Michael? Et il l'a envoyé sur ton numéro, comment peux-tu dire que ce n'était pas ton message? Eh hey, mon Dieu. Hey. Je vais entrer et me rafraîchir un peu. Oh. T'inquiète, s'il te plaît. Tout se passera très bien, ok? Sois juste calme, ok? Dieu va te donner un bon travail. Celui qui fera ce que nous tous puissions aller en ville. T'inquiète. Calme-toi. Va juste te débarbuer. Ok? Je l'espère bien. Ça ira bien. Moi qui étais en train de réfléchir comment nous allons partir en ville. Hein? J'étais déjà en train de réfléchir comment nous allons partir en ville. Ils l'ont appelé. Ils l'ont vraiment appelé pour ce travail. Hein? Mais non, regardez. Maman ne sera pas contente si elle apprenait cette nouvelle. Elle ne sera pas du tout contente. Otochi, Otochi. Madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Tu as l'air fatiguée, je crois que tu as mangé. Non, non, madame. Ah ah, pourquoi? Je t'ai déjà dit, quand tu as faim, il faut aller prendre ta nourriture pour manger, ne m'attends pas. D'accord. D'accord, madame. Va prendre ta nourriture, tu dois être en forme, non? Tu travailles beaucoup. Merci, madame. Ok. Merci. Toi aussi avec tes cheveux. Ah, regarde, j'arrange seulement. T'es toute belle. Merci, ma meilleure. Et ma femme.
Ils seront bientôt là. Maman, ils sont déjà là. Mais c'est toi que je cherche. C'est quoi le problème? Mais comment se fait-il qu'ils ne viennent pas jusqu'à cette heure? Les gens commencent à partir. Oh! Essaye de l'appeler. D'accord. Johnson ne peut pas se comporter comme ça. Tu es censé être en contact avec lui pour connaître tous ses mouvements. Maman, t'inquiète. Mais on a parlé ce matin. On avait parlé très tôt aujourd'hui. Appelle-le. Maîtrise-toi. Appelle d'abord, hein? Ça, c'est inhabituel. Maman, son téléphone est éteint. C'est éteint? Oui. Donc, ça sonnait avant. Mais ne décrochez pas. Maintenant, ça devient éteint. Hé, non. Qu'est-ce que je vois? Maman, s'il te plaît, n'arrive pas là. Hein? Rappelle-le. Maman, c'est toujours éteint. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ici. Bien. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe ici? Non. C'est toujours éteint. Calme-toi, s'il te plaît. Mais quand allez-vous parler au juste? Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi encore juste? Rappelle-le. C'est plus la peine de faire ça, hein? Laissez-moi vous dire, tous les problèmes ne se résolvent pas en étant calme et haut. Écoutez, laissez-moi vous dire, tous les anciens, ils sont tous en train de vouloir partir. Tous les anciens, hein? Ils sont en train de vouloir partir. Comme je vous l'ai dit, ils sont tous là. Ils veulent partir. Non, s'il te plaît, ils ne partent pas. Mais pourquoi devraient-ils rester ici? Ils seront bientôt là. Écoute-moi, hein? Entends-toi avec ta chère fille pour trouver une solution. Toutes les deux devaient réfléchir pour trouver une solution afin que nous puissions nous sortir de ce CEO, hein? Qu'elle commence d'abord par retrouver son mari en devenir. Est-ce que tu m'as compris? Nous n'avons encore jamais vu une telle chose. D'ailleurs, nous devons annuler cet événement. Hey. Ça serait mieux d'annuler cet événement. Parce que le grand assis de quoi? Était là assis dehors très longtemps en train d'attendre. Hey. Et ton supposé prétendant ne s'est même pas encore montré. Oncle, s'il te plaît. Mais il n'est toujours pas là. Je sais très bien que l'heure est déjà passée. Je t'en prie, ils vont venir. Ok, tu n'aimerais pas que les anciens puissent se fâcher contre toi éternellement, n'est-ce pas? C'est ce que Maman, tu voudrais. Maman, parle-lui. Écoutez-moi, essayez de trouver une solution le plus vite possible. Laissez-moi vous apporter à boire. Trouvez vite une solution. Ils vont bientôt venir. J'espère que c'est clair. Ok, puisque je suis de la famille, je devrais toujours vous supporter. Même si moi aussi je suis en danger, Maman Ngozi. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça? Hein? Essayez d'être sage, hein? Ok, moi je comprends bien. Mais c'est à cause de ton mari en devenir que tous les anciens sont à attendre. Non. C'est vraiment un embarras total. Non, hein? Oncle. Mais toi aussi, tu devrais arrêter. Ce n'est pas du tout une affaire de oncle. On avait parlé. S'il te plaît, oncle, il sera bientôt là. S'il te plaît, aide-moi à parler aux anciens. Peux-tu en parler? Mais à qui? Ils sont déjà en train de partir. Et moi également, je m'en vais. Bye. Maman, c'est toujours Maman éteint. Maman fait quelque chose, hey! Non? C'est comme ça que tout mon argent et toute l'énergie que j'ai mis dans cette nourriture va finir. Ça veut dire quoi ça, non? Ça veut dire quoi? C'est toujours éteint. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas mon téléphone ici. Essaye encore. Peut-être qu'il est low bat. Il va te rappeler après. Être low bat? Non, je ne crois pas. Je le connais très bien. Hein? Continue à réessayer. Ça ne peut pas être alors, ça. C'est bon. Je le connais bien. S'il n'est pas ici, on ne sait pas question de téléphone qui est low bat, non. Je crois vraiment que la famille de Chijuke est maudite. Je crois sincèrement que cette famille est maudite. Ils n'arrêtent pas d'avoir de la malchance à chaque fois. Rien ne va pour le mieux avec eux. Exact. Rien ne va jamais pour le mieux pour eux. Depuis qu'ils sont tous revenus de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est bien celui ou celle qui leur fait ceci? Aïe! Que Dieu nous épargne.
Mes enfants, qu'est-ce qui était arrivé à votre mère? Notre maman est déjà morte. Elle est morte juste après notre papa. J'aurais voulu la voir. Je suis venue pour demander pardon. C'est pourquoi ce pardon? C'est une longue histoire. Kitty, je suis dans les troubles, je suis pas un Quel trouble encore? Kitty, je suis enceinte. Ah, enceinte? Hey, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne crie pas. Non, je veux me débarrasser de cet enfant, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît, je veux m'en débarrasser. Je ne sais quoi faire, c'est pourquoi je suis venue chez toi pour que tu puisses m'aider. Suis-je infirmière? Je ne sais qu'est-ce que je peux faire, oh. Je ne sais pas ce qu'on fait. Kitty, tu sais, non? Toi et moi savons que tu peux m'aider. Hein? Toi et moi savons ce qu'on peut faire dans ces cas. S'il te plaît, je ne veux pas que ma famille me chasse de la maison. Ils me mettront dehors. Avec cette grossesse, ça sera l'enfer de ma vie. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux même pas les dire à mon petit ami. S'il te plaît, aide-moi. Kitty, aide ton ami. Aide-moi, s'il te plaît. Bien. Je connais quelqu'un que ma grand-mère m'avait présenté. Elle fait avorter des femmes. Mais moi, je ne sais pas très bien. Non,
Non, je veux le faire. Oui, je le ferai, je suis prête. Je ne veux pas que cette grossesse vienne gâcher le projet de ma vie. Non, c'est moi. Je le ferai. T'inquiète, je vais l'utiliser. Je n'ai même pas assez d'argent pour les médicaments, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, aide-moi. Que tu aides-moi. Peux-tu m'amener là-bas? Non. S'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Je te prie, pardon. Ketchi, c'est moi, oh. Aide-moi, moi. J'ai mal au ventre. À l'aide. À l'aide. À l'aide. J'avais avorté et rien n'était resté. J'étais allée à l'hôpital des années plus tard, quand je m'étais mariée. Et une fois devant le docteur, il m'avait dit que ma matrice était endommagée. Quand j'ai su que je ne serais pas en mesure d'avoir d'enfant, cela m'a mis dans un état de colère. On s'était rencontré au marché. Et je lui avais remis les habits de bébé. Ces habits provenaient de Baba. Alors, je vous avais lancé un mauvais sort. C'est ça. Désolée, hein, c'est bon, doucement. Donc c'est toi qui nous as fait souffrir? Comment pouvais-tu? Michael, as-tu entendu? S'il vous plaît, où est la cadette? Tu es méchante. Attends. Mais c'est quoi tout ça? Maman... Mais malheureusement... Malheureusement. Toi, la meilleure amie de notre maman, impossible. Si ce n'était pas pour une chose, je te jure sur la tête de mes parents. Si ce n'était pas pour une chose. Non, Michael, s'il te plaît. Michael, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je t'en prie, mon frère. Laisse-la. S'il te plaît, Michael. Michael, je t'en prie, mon frère. Je t'en prie. Au nom des yeux, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-la. Je t'en prie. Et pitié. S'il vous plaît. Où est la cadette? Ne lui fais pas du mal. Où est votre... cadette, s'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Quitte-la, méchante que tu es. Non, j'ai besoin d'elle pour renverser le sort, s'il vous plaît. Tu es méchante, quitte! Sorcière, méchante. Calme-toi, s'il te plaît.
frère Michael? Hein? Pourquoi tout le monde pleure? Et... où est maman? Maman est morte. Jésus! Non! Non! Ah, c'est pas vrai! Maman! 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 S'il vous plaît, c'est elle la cadette. Grande sœur, où est maman? Où est-elle partie? Viens, s'il te plaît. S'il vous plaît, où est maman? Dites-moi, je vous en prie, grand frère. Fais quelque chose. Dis quelque chose. Maman. Non, non, maman, non. Maman, non. Dis-moi que c'est pas vrai. Grande sœur, je vous en prie. Où est maman? Où est-elle? Non, non. Ah, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ça? Hein? Donc, qu'est-ce que tu lui as fait? Non, non, elle ira. Qu'est-ce bien. Que c'est ça? Elle ira bien. Hein? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Elle ira bien. Elle ira mieux. Qu'est-ce que tu lui as fait? Okay. Toi! C'est qu'est-ce que. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère? Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Ah, qu'est-ce qu'il y a avec elle aussi? Grand frère, s'il te plaît, peux-tu me dire où se trouve maman? Où est-elle? Je suis maintenant à la maison. Allez, dites-moi, où est maman? Où est-elle? Grand frère, qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme, hein? Hein? Qui est-elle? Je ne sais pas, grand frère. Mais c'est quoi? Qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Va t'occuper d'elle, non? Je ne sais pas. Mais qui est-elle? Hein, grand frère? Grande sœur, c'est moi qui veux faire la cuisine. Attends, je sais que tu vas adorer. Tu vas voir. Tu ne sauras pas le faire, non? Je ne sais pas pourquoi tu insistes que je ne peux pas préparer. Écoute, tu vois, quand je travaillais chez cette dame là-bas, au restaurant, j'ai préparé pour elle. Elle m'avait appris à faire la cuisine et je le faisais très bien. Pour ça, je vais t'épater aujourd'hui. Personne n'a dit que tu ne sais pas préparer. Je vais préparer. Mais tu peux bien préparer, non? You got to be starting something. Ah. You got to be starting something. Ah, ah. Hey, mon Michael Jackson de Nigeria. Hey, mon Dieu, hey. Devinez quoi? Grand frère. Voyez de vous-même. Hey, ya. Ouvrez, regardez très Ouvre, bien. Allez. Hey, ya. J'ai eu un travail. Ah! Ah! Aïe! Ah! Ah! Oh, c'est pas vrai. Je suis très contente. Ah. Hey, j'ai eu ce travail. Hey. J'ai travaillé avec une voiture officielle. Mon Dieu. Une maison en ville. Un gros salaire. Et la chose la plus importante, j'aurai un tout nouveau bureau. Hey, Wallet Gay! Grand frère, nous allons repartir en ville. Mais bien sûr, nous allons en ville. Grand frère, s'il te plaît, explique-moi bien. Oui. Wow! J'attendais bien ce moment. J'attendais très bien ce moment. Ça finit par arriver. Voilà, c'est enfin arrivé. Je suis contente. Tu n'es plus une barrière. Oh! Grand frère! Maman! Maman! Ce n'est pas le bon moment de parler de papa et maman. Il y a une raison pour toute chose. Ce de quoi nous devons parler maintenant, c'est le progrès. Comment on célèbre? Hein? Oui. Célébration. Oui. Lequel oui. vous voulez? I ou... grand frère, s'il te plaît, quand nous allons repartir en ville, tu vas m'acheter des nouveaux habits, de perruques et emballer. Oui, moi emballé, aussi, oui. J'en aurais besoin, non. Allez vous arranger, je vais m'arranger aussi et je vais vous faire sortir. Oui.
nous voilà enfin chez nous. Hey. Bienvenue dans notre nouvelle maison. C'est tellement beau. Hey, sérieusement. Hey. Oh, mon frère. Ma chérie, qu'est-ce que tu as à dire? C'est très merveilleux. Bien sûr que c'est merveilleux. J'en avais besoin. Mon Dieu. Non, pas ça. Oh, j'aurais souhaité que papa et maman puissent être là pour pouvoir fêter avec nous. Oui, tu as raison. Oui. Mon frère, c'est bon ma chérie, ça suffit. Ça va, hein? Ok, ça suffit. Ça va aller, hein? Ce qui est important, c'est que nous sommes en train de célébrer maintenant. Alors, sois heureuse, hein? Très ça bien. Va. C'est ce qui est important pour nous, hein, ma chérie? Ça va. Ça va, hein, ma chérie? Nous sommes en train de célébrer. Ah ah. Hey! Hey! Qu'est-ce que c'est? Oh. Veux-tu m'épouser? Ah ah. Vas-y, dis oui. Dis oui. 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 Oh. Quelle célébration! J'aime ça! Félicitations! Félicitations à vous, les amoureux! Oui! Oui! Et oui! Oui! Waouh! Nous devons fêter! Doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.